jet de pierre, gaz lacrymogène et cocktail Molotov. Et la riposte de la cavalerie. La police est venue disperser des centaines de personnes manifestant contre la hausse des prix des transports à Rio de Janeiro, au Brésil, ce samedi. Une manifestation marquée par plusieurs dégâts. Nous ne quitterons pas la rue tant que ça ne redeviendra pas comme avant. Les pauvres ne paieront pas pour la crise politique. S'en est suivie une longue marche à travers les artères de la ville à laquelle ont pris part des centaines de personnes. Des messages sur les pancartes exprimaient clairement la raison de leur présence sur les lieux. Les écoles sont abandonnées, notre système de santé est en crise et le gouvernement dépense l'argent pour les infrastructures des JO ou pour des avantages fiscaux en faveur de l'industrie automobile. Donc il y a de l'argent pour les transports publics, la santé et l'éducation dans la ville. Nous manifestons pour exiger tout ça. Ils entendent ainsi manifester jusqu'à la prochaine baisse des prix du transport.